capitaine. On vient d'avoir confirmation. C'est bien Aude de Bricourt, l'héritière du groupe La Botèque. Merde. Et du côté du mec de l'ONF, ça donne quoi? Tout ce qu'il a vu, c'est un type en jogging rouge avec une capuche sur la tête. Il a pris la fuite en moto. Quoi comme moto? Quelle marque? Quelle couleur? A priori, un modèle trial, de couleur sombre, mais le témoin n'est pas sûr. Elle allait vite. Là encore tous ces bijoux. Alors, ça donne quoi? Les zones d'appui correspondent. Le corps n'a pas été déplacé. Elle a les mains en position de défense, il l'a frappé de face. Des signes d'agression sexuelle? Non. Mais on a des résidus de peau sous les ongles. D'accord. Donc elle aurait réussi à le griffer? Sans doute. Et l'heure de la mort? 9h05. Sa montre a été fracassée, mais je vérifierai. On a aussi une trace de tennis, un modèle courant, pointure 44. Mais ça pourrait aussi être celle d'un joker. Inutile de dire que cette affaire est prioritaire. Maintenant? Oui, capitaine. Une photo sort dans la presse et je vous colle un rapport. Capitaine Brochard, je voudrais parler au juge Dugour. Oui, Patricia, je vais avoir un quart d'heure de retard. Hein. Faites attendre la partie adverse. Surtout, vous ne les prévenez pas. Pas d'eau, pas de café, rien. Hein. Voilà, merci. Encore un de tes vernissages où on va respirer la joie de vivre. C'est l'une des victimes d'un grave accident chimique en Inde. Avec un peu de chance, t'as certainement défendu la compagnie responsable. Laurence, tu me cherches? Qu'est-ce qui paye tes billets d'avion? Pour tes reportages aux quatre coins du monde, qui? Tu payes une bonne conscience grâce à qui? Justement, ça ne peut plus durer, Antoine. Je ne supporte plus ce que nous sommes devenus. Moi non plus. Bon, Virginie vient ce soir? Oui, normalement. Eh ben, essayons au moins de faire bonne figure devant elle. Notre fille n'a plus besoin d'être protégée. Bonjour, Maître Meyer. Bonjour, Patricia. Ils sont arrivés depuis 20 minutes et ils vous attendent dans la salle de réunion. Parfait, merci. Je comprends votre colère, Madame Chevalier, mais j'ai ici des rapports d'expertise qui vont tous dans le même sens. Rien ne permet d'incriminer la société Lafargue dans l'accident de travail de votre mari. Nous les ferons parvenir, bien entendu, Maître. Si vous le voulez bien, nous en jugerons par nous-mêmes, Maître Meyer. Maître Guérin a dû vous prévenir, la procédure sera longue, vous risquez de passer plus de temps devant les tribunaux qu'auprès de votre mari. J'ai donc fait une proposition, Madame Chevalier, au nom de l'entreprise Lafargue. C'est le maximum que j'ai pu obtenir d'eux. Ils n'iront pas plus loin. €100 000, vous plaisantez? Jamais quand je négocie. C'est ce qui a fait la réputation de notre cabinet. Bien, je vais vous laisser réfléchir. Vous n'avez toujours rien à boire, Madame Chevalier? Thé, café? Mon mari va passer le restant de ses jours dans une chaise roulante. Quand on défend des salauds, c'est que forcément on en est un, non? Alors? Putain, ils ont signé. 100 000. Alors là, je pensais pas que tu y arriverais à moins de 300. Hein. Tous les rapports d'expertise étaient contre nous. Comment t'as fait? J'ai fait peur. Et toi, comment tu fais pour jamais avoir de remords? J'interroge mon compte en banque et j'applique ce que tu m'as appris. Jamais de sentiments dans le travail. Mademoiselle Robat, vous étiez sa secrétaire particulière. Son bras droit, je préfère. Je m'occupais de son emploi du temps, gérais le personnel, filtrais ses appels. Madame de Bricourt était très sollicitée.
Elle s'occupait beaucoup d'œuvres de charité. Mm. Et en tant que bras droit, vous lui connaissiez des ennemis? Non, aucun. Elle avait son caractère. Et en un seul regard, elle savait si les gens étaient sincères ou pas. Ça ne plaisait pas à tout le monde. Ces derniers temps, vous l'avez trouvée différente? Plus nerveuse? Non, je n'ai pas remarqué. Et dans son personnel, pas de tension? Un employé qu'elle aurait renvoyé? Non. Dites-moi, elle vit la seule depuis la mort de son mari? Depuis plus d'un an, elle fréquentait Alexandre Landrin. Je ne sais pas ce qu'elle lui trouvait. Ils n'allaient pas vraiment bien ensemble. Ils s'entendaient bien? Ces derniers temps, ils se disputaient souvent. Violemment, même. Hier encore? Hier. Ils se sont disputés? Oui, dans la chambre. J'ai entendu des éclats de voix, et puis il a claqué la porte. Et puis je l'ai vu monter dans sa voiture. Il avait l'air furieux. Mademoiselle Robin, vous auriez l'adresse de ce monsieur Landrin? Bien sûr. Je vous l'avais préparé. Alexandre Landrin? Oui, c'est moi. Capitaine Brochard, lieutenant Dumont. On peut entrer? Oui. J'ai une mauvaise nouvelle, monsieur Landrin. Il s'agit de madame de Brécourt. Elle a été assassinée ce matin. Quoi? Oh, putain. Merde, c'est pas vrai. Comment? Elle a été battue à mort. Vous avez nettoyé ces chaussures? Oui. Je suis allé courir sous la pluie hier. Le 44. Vous étiez où ce matin, vers 9h? 9h, ici. Quelqu'un peut en témoigner? Non, je crois pas. Vous vous êtes fait griffer au poignet? On s'est disputé hier soir. À quel sujet? On voulait que je l'accompagne samedi prochain à un dîner de charité. Je n'avais pas envie. Est-ce que vous pourriez nous accompagner, monsieur Landrin, pour prendre votre déposition? Cette veste, là, c'est sur mesure? Hein? Quand je te vois, je me dis que c'est pas flic que j'aurais dû faire. C'est gigolo. Non, putain, je ne suis pas un gigolo, d'accord? Je me casse, putain. Tu vas nulle part. Arrêtez, vous me faites mal, putain. Vous êtes malade. Et pourquoi je ferais ça, hein? Pourquoi je ferais ça? Regarde, regarde. Regarde, regarde. T'as eu pitié d'elle, toi? Je peux appeler un avocat. Alors là, t'auras l'embarras du choix, hein. Je peux même te dire qu'ils vont jouer des coups pour te défendre. Pour passer au journal télévisé. Mais au fond, ils en auront rien à foutre de toi. Parce que pour eux, tu seras jamais qu'un monstre qui a frappé 6 fois à coups de batte de baseball une femme à terre. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Monsieur le juge, autant vous le dire tout de suite, ma tante me détestait. On a touché à ma famille. Alors si j'ai un conseil à vous donner, arrêtez-moi ce salaud au plus vite. Mais c'est bien mon intention, ne doutez pas. Je ne me contenterai pas d'intention.
Soyez-en certain. Monsieur de Brécourt, et vous, vous détestiez votre tante? Pas au point de la tuer, non. Entre Laurence et toi. Pourquoi? Tu veux t'occuper de notre divorce? Non, mais plus vous attendez, plus ce sera lourd. Regarde, tu vois pas qu'elle fait ça pour t'emmerder? Ah non, elle est sincère. Elle, au moins, elle vit sa passion, mon vieux. C'est terrible, toute cette souffrance. Ne me fatiguez pas, Maître Kovac. On a déjà couché ensemble l'année dernière. Comment ça se passe? Oh, j'ai déjà tout vendu, tu te rends compte? Quand on a du talent. Ah, bah t'arrives trop tard. Pour les petits fours. J'étais commis d'office toute la journée à Nanterre. Payé de misère. À peine ce que tu dois te faire en 10 minutes. Eh oui, mais toi, t'es une jeune idéaliste, moi, je suis un vieux cynique. T'es pas mieux que Marc? Ça fait un mois qu'on n'est plus ensemble, papa. Ah bon? J'ai un peu de mal à suivre avec toi. C'est pas grave. Maman a l'air heureuse de sa soirée. Ben, elle le mérite. C'est toi qui as invité Jérôme? Non, ça doit être ta mère. Je savais pas que tu t'intéressais à la carrière de ma femme. Je suis pas venu pour les photos de Laurence. On m'a chargé de l'affaire de Brécourt. Oui, ben, je lis la presse. Le nom d'Alexandre Andrin, ça te dit quelque chose? Bon. C'est le petit ami de la victime, 27 ans, Jean Gigolo. Elle lui a légué 1 million d'euros, un loft. Enfin, d'après certains témoignages, elle était sur le point de le quitter. Mais il n'y a aucun alibi pour le jour du meurtre, et sous les ongles de la victime, on a retrouvé des résidus de peau. Les analyses sont formelles, c'est son ADN. Je viens de le mettre en détention. Et alors? J'ai abandonné le pénal il y a plus de 25 ans, Jérôme. Je suis avocat d'affaires. Oui, je sais, je sais. Mais bizarrement, c'est toi qui veux comme avocat. Moi? Toi, personne d'autre. Ça m'a paru étrange, surtout quand il a évoqué l'affaire Mancini. L'affaire Mancini? Pourquoi voulez-vous que je vous défende, monsieur Andrin? J'ai abandonné le pénal il y a longtemps. Je sais. Après le procès Mancini à Auxerre. Ma mère m'a toujours dit, en cas de malheur, va voir Maître Meyer, il t'aidera. C'est le meilleur. Le meilleur. Mancini a été condamné à mort. D'après ma mère, personne n'aurait pu le sauver. Bon, j'ai assez perdu de temps. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un spécialiste en droit pénal. Ne partez pas, je vous en prie. Je n'ai pas tué Aude, je vous le jure. Je ne veux pas être victime d'une erreur judiciaire. Les flics me croient coupable. Je ne sais pas pourquoi ma mère vous admirait tant.
Du fond de son restaurant à Auxerre, elle avait dû vous prendre pour un mec bien. Écoutez, quoi que vous ayez dit votre mère, je vous défendrai pas, monsieur Lambrin. D'accord. Est-ce que je peux vous demander un service? Quoi? Mon médaillon de baptême. C'est mon porte-bonheur. Les flics ne m'ont pas laissé le temps de le prendre. Il est dans un coffret sur mon bureau. Vous n'avez qu'à demander la clé au concierge. Vous n'avez pas de famille ou d'amis à qui demander ça? Non. Je n'ai personne. Je n'avais qu'Aude. Question. T'as oublié qu'on avait rendez-vous avec Fournier? Mais t'es où, merde? J'ai un contre-temps, vas-y sans moi. Quoi? T'expliquerai. Pas joli, joli, hein? Si tu veux mon avis, il n'aura même pas les circonstances atténuantes. C'est pas un crime passionnel, ça, c'est une boucherie. Les chaussures, ça donnait quoi? Aucune trace de sang, je viens de recevoir les résultats. Ils n'ont pas servi au meurtre. Du coup, le dossier d'accusation est plutôt mince. Pourquoi tu t'y intéresses, Antoine? C'est quoi le lien avec l'affaire Mancini? Antoine? Quoi? Aucun. Merci. Merci. C'est ça que tu voulais que je trouve? Ma mère avait toujours votre photo dans son portefeuille. Elle y tenait beaucoup. Ah, ce petit jeu, hein? Pas avec moi. Je veux juste savoir, c'est tout. On garde pas la photo d'un homme toutes ces années sans raison. Tu crois que je suis ton père? Pourquoi? C'est possible? Pourquoi tu crois que je serai en face de toi, sinon? Ma mère n'a jamais rien voulu me dire. J'ai dû deviner, chercher, après sa mort. Arrivé quand? Il y a 16 ans. J'ai connu Viviane, ta mère, pendant le procès Mancini. J'ai dîné un soir dans le restaurant où elle était serveuse. Je suis retourné le lendemain, puis le surlendemain. Pendant le dernier mois du procès, on s'est revus tous les soirs. Un procès d'assises très éprouvant. Et elle a été... Elle était gaie, elle était belle. Et après le verdict, vous êtes rentré à Paris. J'étais marié, j'avais une petite fille. Puis ta mère avait des projets dont je ne faisais pas partie. C'était une parenthèse, elle le savait très bien. Vous croyez que vous êtes mon père?
On ne se ressemble pas vraiment. On peut faire un test ADN si tu veux. Vous ne comprenez pas. Je cherche juste un avocat. Vous pouvez garder la photo. J'ai ma réponse. Merci. Pourquoi t'es pas venu me voir avant avec cette photo? J'ai pas osé. Ne vous inquiétez pas. Je ne cherche pas un père. Merci d'être venu. Je suis pressé. J'aime pas voir les gens foncer devant le mur et c'est ce que vous faites. J'essaie de comprendre, capitaine. Alexandre Lordran est quelqu'un de complexe. Complexe et coupable. Franchement, vous le croyez innocent? J'envisage toutes les possibilités. Pas vous? Il l'a frappé à 6 reprises. D'après le légiste, le 3e coup était mortel. Elle s'est tenue à genoux quand il l'a frappé, vous imaginez? Ensuite, il s'est acharné sur elle. La victime faisait la même balade à cheval tous les matins. Même endroit à chaque fois, n'est-ce pas? C'est bien ce qui est écrit dans le rapport. Oui. Donc n'importe qui au courant de ses habitudes aurait pu l'attendre et la tuer, non? Vous allez le défendre. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Je n'ai pas encore pris ma décision. Capitaine. J'ai assuré le rendez-vous avec Fournier. Je te rappelle quand même que c'est notre plus gros client. T'étais où? J'ai rendu visite à Alexandre Lordran, le jeune type qui a été mis en examen dans l'affaire de Brécourt. Il veut que j'assure sa défense. Et tu vas refuser, bien sûr. Antoine, tu as toujours dit que le pénal, c'est juste bon pour prendre des coups et pas gagner un rond. Enfin, c'est plus complexe que ça. Bon, écoute, il y en a pour 3 mois maximum. Réveille-toi, Antoine, merde! Tu sais qui tu es en face? L'un des plus gros groupes industriels de ce pays. La 4e fortune de France. Ils feront pression sur nos clients et on va tous les perdre les uns après les autres. Oui, Patricia? Un journaliste de l'AFP au téléphone. Réfléchis bien, Antoine. Réfléchis. Passez-le-moi. Maître Meyer, c'est Frédéric Magnan de l'AFP. Nous avons entendu dire que vous alliez défendre Alexandre Lordran dans l'affaire de Brécourt. Vous pouvez confirmer cette information? Oui, je confirme. Tu viens de nous mettre dans la merde. On est à 50-50 dans ce cabinet. T'es pas le boss. La règle, c'est qu'on décide ensemble. Pas cette fois-ci. Rebondissement dans l'affaire du meurtre d'Aude de Brécourt, retrouvé battu à mort hier matin dans la forêt de Chalice. On apprend que le célèbre avocat parisien Antoine Meyer a accepté d'assurer la défense du principal suspect mis en examen. Voilà, vedette. On est en train de parler de toi, là. On se souvient que Maître Meyer était l'avocat d'Hector Mantini. Dernier condamné à mort en France à avoir été exécuté. Ça doit te changer des pas là, ça. Maître Meyer s'est refusé à tout commentaire. Actualité à l'étranger. Ils ont parlé de toi au JT. Ah bon? C'est vrai ce que j'ai entendu? Quoi? Tu vas le défendre? Je pense que j'ai tort. J'ai toujours souhaité que tu reprennes le pénal. Je regrette simplement l'avoir appris par la télévision. Oui, les choses se sont un peu accélérées. Non, ça fait des années qu'on vit à côté l'un de l'autre. Qu'on ne se raconte plus rien d'important. Je veux que ma vie change, Antoine. J'ai pas envie de divorcer. Il faut se donner une seconde chance. Ça peut changer, ça dépend de nous. Regarde, je reprends le pénal si on m'avait dit ça il y a seulement une semaine. C'est trop tard. On s'est perdu de vue il y a longtemps déjà.
T'avais raison de me reprocher de m'acheter une bonne conscience à tes frais. J'ai dit ça pour te faire chier. J'ai bien réfléchi. Je vais me chercher un appartement. En attendant, Virginie veut bien m'héberger. Bakrim, à demain au tribunal. 15h, ne soyez pas en retard. Et mettez une veste. Justement, je voulais t'appeler. Bah, tu vois. J'ai entendu la nouvelle. Tu veux te racheter une conduite ou c'est juste pour passer à la télé? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai un service à te demander. Vas-y. J'ai pas fait de pénal depuis plus de 20 ans, je vais avoir besoin d'aide. Alors je pensais peut-être que tu pourrais... D'accord. Je suis fière que tu me demandes ça. Il y a autre chose. Faudrait que tu m'héberges, moi aussi. T'as oublié que t'as un bureau de 200 mètres carrés à deux pas de l'avenue Montaigne? Mais non, je supporte plus Christian, puis je supporte pas davantage de travailler seul. Tu sais, ici... Par le coin, là. Je prends. Alexandre Landrin était chez lui à l'heure du meurtre. Et personne ne peut en témoigner? Non. Et le mobile? Un héritage d'un million d'euros plus un loft à Montmartre. Ah oui, quand même. T'es sûr que tu veux le défendre? Il ressemble à quoi, ton monstre? Une sorte de gamin perdu. Pas l'œuvre d'un gamin perdu, ça. Ben justement. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu l'as tué? Non. Tu serais prêt à renoncer à ton héritage pour sortir d'ici? Non. Cet héritage, c'est un cadeau qu'elle m'a fait. Elle l'a fait parce qu'elle m'aimait. J'y tiens. Et toi, tu l'aimais? C'était quoi ta relation avec Aude? Elle payait, t'étais son gigolo? Je ne suis pas un gigolo. Il y a que j'aime les femmes plus âgées que moi, c'est tout. Entre Aude et moi, il y avait beaucoup de tendresse. Elle disait que je la rendais jolie. Elle n'avait pas toujours bon caractère, mais elle était généreuse. Généreuse. C'est un mot qui peut prêter à confusion devant un jury. Oublie-le. D'après sa secrétaire, elle s'apprêtait à mettre un terme à votre relation, c'est vrai? Tu parles. Elle le disait à chaque dispute. Mais c'était toujours elle qui revenait vers moi. Si j'avais dû la tuer à chaque fois qu'on s'engueulait. L'enterrement doit être bientôt fini. J'aurais aimé y être. Voilà. C'est cette expression-là qu'il faudra avoir au procès. Retiens-la. Je ne suis pas comédien. Alors entraîne-toi si tu veux qu'on gagne. Ce n'est pas un jeu pour moi. Mais si, c'est du théâtre tout ça. C'est le plus convaincant qui gagne. Tu joues au poker? Bah alors bluff. Dites-moi, Maître Maillère, vous auriez renoncé à l'héritage, vous? Non. Et j'aurais trouvé suspect qu'il me réponde autre chose. Allô? Allô? Bonjour. Je passe juste chercher des affaires. T'es chez toi ici, tu passes quand tu veux.
Laurence. Il faut qu'on se parle. On s'est déjà tout dit, non? Tu peux dormir seule, toi? Moi, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe, Antoine? Tu reprends le pénal? Tu essaies de sauver notre couple? Tu joues à quoi? Je joue à rien. J'essaie simplement de savoir ce qui compte réellement dans ma vie. Et il me semble me souvenir que j'étais heureux quand tu avais de l'admiration dans le regard. C'est pour ça que tu as accepté de défendre ce type? Pas seulement. Pas seulement? Non. Et bien, quand tu seras prêt à me parler, appelle-moi. Poser ça sur le paillasson cette nuit. Je t'ai sorti tout ce que j'ai trouvé sur Internet. Lui, c'est Bernard Gauthier. Il y a 5 ans, il s'est introduit dans les locaux de la Botèque. Il a pris 4 personnes en otage pendant 3 heures. Ah oui, je me souviens. Pourquoi il a fait ça? Sa femme est morte lors d'un protocole médicamenteux. Un cobaye rémunéré pour tester une nouvelle molécule. Au bout de 5 jours, elle a fait une hémorragie. Ah oui, le mari est accusé de laboratoire. Il y a une commission d'enquête. Mais d'après le directeur de recherche, ils ne lui ont jamais administré le médicament. Elle était sous placebo. Mais ça, résultat, la responsabilité de la Botec n'a pas été prouvée. Et c'est Aude de Brécourt qui était directrice à l'époque. Quand GIGN a donné l'assaut, il a blessé un des gendarmes. Il a été condamné à 4 ans de prison. Il est sorti il y a 2 mois. 2 mois? C'est une piste, non? En tout cas, quelqu'un veut qu'on s'y intéresse. Est-ce que tu peux me retrouver l'adresse de ce Bernard Gauthier, là? Quoi? Mais c'est au juge d'instruire. Oui, bon, et essaie aussi de m'obtenir un rendez-vous avec le directeur de recherche de la Botec, celui qui a témoigné devant la commission d'enquête. Oui. 11 heures, d'accord. Le juge veut auditionner Alexandre. Un élément nouveau. J'aime pas ça. Quand je l'ai connue, je vivais dans un petit studio, avec les toilettes sur le palier. C'était pas vraiment très glamour. Elle était jalouse, possessive. Enfin, je veux dire, vous êtes jeune, vous êtes séduisant. Elle n'avait pas de raison de l'être, monsieur le juge. Ah. Il y a un mois, elle a fait appel à un cabinet de détectives privés. Ses clichés ont été pris il y a quelques jours. Qui est-ce? Répondez. Juste une amie. Eh oui, c'est l'inconvénient des baies vitrées. Alors, qui est-ce? Aurélie. Elle est barman dans un cercle de jeu. Mais je ne l'ai vue que cette nuit-là, je vous jure. Oh, vous le jurez? Enfin, il y a 10 secondes, c'était une amie. Vous n'arrêtez pas de mentir, quoi. Hein? Vous jouez les amoureux romantiques, vous couchez avec la première serveuse venue, c'est ça? C'est juste, vous rendez coupable mon client d'avoir séduit une femme riche ou d'avoir trompé. Je le rends coupable de l'avoir assassiné, Maître Meyer. J'avais un peu bu. Elle m'a fait du rentre-dedans. Je ne l'ai plus jamais revue. Bien. Nous vérifierons. Votre dernière dispute la veille du meurtre avec Madame de Brécourt, c'était à cause de cette jeune fille? Oui. C'est comme ça qu'elle m'a griffé. Et elle vous a donc demandé de lui rendre le lof et de retourner vivre dans votre petite chambre de bonne avec les toilettes sur le palier? Non, 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 non. Il n'a jamais rien dit de tout ça. Je vous aussi.
si sûr de son innocence. Bien. Pendant qu'on y est, le rapport d'expertise plutôt à charge. Allez, on va prendre un café. Je voudrais pas que tu te trompes d'affaire, Antoine, tu feras pas revenir m'en signer. Écoute, franchement, t'avais beau être dans la partie adverse, t'as toujours été persuadé de sa culpabilité. Mais pas du tout. Moi, je prends la décision d'un jury, c'est la base de mon métier. Et je te rappelle quand même que deux témoins ont affirmé avoir vu la petite fille monter dans la voiture de Mancini. Mais j'aurais l'avoir déposé à la gare. Tu veux que je te dise pourquoi il était condamné? Parce que c'était l'étranger du village. Non, parce qu'il était coupable. C'est ça ton problème, Antoine, tu ne crois plus en la justice. Bah pour le gamin, je vais essayer d'y croire encore une fois, Jérôme. Je vais essayer. J'avais beaucoup de tendresse pour Aude. J'aime que les femmes plus âgées, tu parles. À combien d'autres tu l'as trompé, parce que j'aimerais le savoir avant le juge la prochaine fois. Le jury va t'adorer, putain. Vous êtes qui, vous, pour me faire la morale? Je... Ton avocat, connard. T'es venu me t'enlicher pour que je te défende, t'as déjà oublié? Moi, au moins, quand je baise, je me protège. Je suis pas ton père. Ta mère a dû connaître d'autres hommes à cette époque-là. Je suis sûrement pas le seul avec qui elle a couché. Elle était serveuse. Pas pute. Et me cherche un café. Oh non, merde. Oui, oui. Vous êtes mariés. Vous vous êtes connus comment? Eh bien, je joue au cercle 2-3 par semaine. C'est le genre solitaire qui parle à personne. Sur là, il venait de perdre une somme importante. Combien? Vous vous souvenez? Dans les 5000 euros, je crois. Il s'est assis au bar, il était contrarié. Il a bu 2-3 verres, on a discuté. Après mon service, il m'a attendu et puis... Vous vous êtes revus après? Non. C'était juste comme ça, sur le moment. Et cette nuit-là, là, il a été comment avec vous? Enfin, je veux dire, mis à part... Il n'a pas eu d'attitude déplacée, violente? Non. Il était plutôt tendre. Dites-moi, je vais être obligée de témoigner au procès? Il y a des chances, oui. Bon, reprenons. Le rapport psychiatrique te décrit comme un asocial égocentrique. Qu'est-ce que tu es ? C'est comme ça que vous me voyez, vous? Je suis pas là pour jouer aux devinettes. J'aime pas les psys. Ils comprennent rien. Ils s'attachent aux mots. Mais les mots sont impuissants à raconter certaines choses. D'accord. Alors parle-moi de toi. Je ne suis pas très doué pour ça. Quand ta mère est morte, qu'est-ce qui s'est passé? La DAS m'a envoyé dans un foyer tenu par des prêtres. Eux, ils étaient gentils avec moi. Gentils? Non. Vraiment gentils. C'est dans le dortoir que c'était plus difficile. Avec les autres internes. J'étais le plus petit, j'étais leur souffre-douleur. Vous savez pourquoi j'aime le poker? Parce que même si on tire un mauvais jeu au début, on peut toujours gagner. Oui. Et c'est ce qu'on va faire. Gagner. Pourquoi vous parlez jamais de vous? Qu'est-ce que vous avez dit à votre famille, votre femme? J'ai rien dit. Ni à ma femme, ni à ma fille. J'ai rien dit. Vous avez honte de moi? Ça nous fait un point en commun. Moi, j'ai eu honte toute ma vie de ne pas avoir de père. Ah, tu es là? Tu voulais me parler. Je suis venue.
Alors ? Le type que je défends, Alexandre Landrin. C'est mon fils. Ton fils ? Oui. C'était pendant le procès Mancini. J'étais paumé seul. J'étais à Paris. Ça se passait mal au tribunal. Comme si j'avais eu besoin de me sentir encore vivant. Avant cette histoire, j'ignorais tout de lui. Tu m'as trompé il y a 27 ans. Et pourquoi tu me dis ça maintenant ? Bah, ça te fera un argument de poids pour le divorce. Arrête de jouer les cyniques, j'en veux plus. C'est à cause de ça que je te quitte. T'as pas encore compris. Si c'est vraiment ton fils, défends-le. Monsieur Debrécourt. Monsieur Debrécourt, il y a une certaine Virginie Meyer a essayé de joindre Tellier il y a une heure. Meyer ? Il y a un rapport avec l'avocat ? C'est sa fille. Alors ? Cet imbécile avait une maîtresse. Ce sera pas du meilleur effet au procès. Mais c'est pas tout. Il y a un rapport psychiatrique. Asocial, égocentrique. Immaturité émotionnelle. Là, ça s'assombrit vraiment. Enfin, ça fait pas de lui un manipulateur pour autant. Hein. Attends, qu'est-ce que tu sais de lui ? Uniquement ce qu'il veut bien te montrer. Sinon, demande une contre-expertise. Le juge la refusera, il instruit à charge, je le connais. Au fait, j'ai essayé d'appeler Tellier, le directeur de recherche. Ouais. Il a démissionné il y a 2 ans, mais j'ai réussi à retrouver sa trace. Il a changé de laboratoire. Tu veux que j'y aille ? Non. On fait équipe quand ça t'arrange, c'est ça ? Virginie, je t'ai juste demandé l'hospitalité, rien de plus. Tu me fais pas confiance. Si tu veux le faire parler, il faudra lui faire peur. Menacer d'aller voir la presse, par exemple. C'est comment ça s'appelle, ça ? Intimidation de témoin. Oui. Tu veux toujours y aller ? Oui. D'accord. Je suis l'assistante de Maître Meyer, avocat à la cour. J'aurais quelques questions à vous poser à propos de l'affaire Bernard Gauthier. Désolé, j'ai pas le temps. On peut prendre rendez-vous si vous voulez. Laissez tomber, mademoiselle. Au revoir. Je n'ai aucune légitimité avec là. Je ne suis ni juge ni policier. Tout ce que vous pourrez me dire sera considéré comme nul par un tribunal. Un innocent est peut-être en prison. Si vous nous aidez pas, on ira voir les médias. Et ça risque de faire du bruit. On s'est rendu compte lors du protocole que la molécule avait des effets secondaires sur une certaine catégorie de femmes enceintes. Madame Gauthier était enceinte ? Oui. 2-3 mois. Elle s'est mise à se plaindre de maux de ventre. Une nuit, elle a fait une hémorragie et on n'a pas réussi à la ranimer. D'après le rapport de la commission d'enquête, elle était sous placebo. Ça s'appelle la préférence nationale. À l'époque, nous étions en concurrence avec un laboratoire allemand qui travaillait sur la même molécule. C'était à qui déposerait le brevet en premier. Pour la Botec, l'enjeu économique était énorme. La commission d'enquête l'a très bien compris. Vous voulez dire que vous n'avez jamais administré le placebo à Mme Gauthier, comme vous l'avez écrit sur le rapport du protocole ? On m'a demandé de falsifier le rapport. Étienne Debrécourt. C'est lui qui s'est occupé du problème, il a réussi à étouffer le scandale. Et combien de femmes enceintes ont fait des hémorragies quand le médicament est sorti dans le commerce ? Quelques-unes sûrement, mais
Et vous savez, ce médicament a soulagé la douleur de milliers d'autres. Oui. Pas celle de Madame Gauthier, ni celle de son mari. Très bien. Salut. J'ai pas beaucoup de temps, tu voulais me voir? Pas moi. Bonsoir, Maître Meyer. Je suis content de vous rencontrer. Tout plaisir pour vous, Monsieur Lebrécourt. Vous avez raison. On va se passer des formules de politesse, hein. Vous avez une fille très photogénique, Monsieur Meyer. Comprenez-moi. Que vous défendiez Alexandre Landrin ne me dérange pas. Et que vous puissiez salir l'image de la beauté en vous servant de ce Bernard Gauthier, je ne supporterai pas. D'autant que vous faites fausse route. Ce sera la justice d'en décider. Non. C'est à nous. Et maintenant, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Est-ce qu'on a l'habitude de dire dans votre profession, non? Dans une affaire criminelle, il ne peut pas y avoir d'arrangement. Mais il va falloir pourtant. Si vous ne voulez pas que votre fille soit radiée du barreau. Ah. Elle a dû travailler dur pour être avocate. Je dîne avec le garde des Sceaux mercredi. Laisse tomber, Antoine. Ta fille vaut mieux que cet Alexandre Landrin. Vous pourrez continuer à le défendre, bien sûr, si ça vous amuse. Et je m'engage aussi à ce que Labotech devienne client du cabinet Kovac et Meyer. Vous voyez que vous avez tout à y gagner. Je suis sûr que vous êtes un bon père. Malheureusement, il refuse de témoigner. Et d'après lui, il n'existe plus aucun document compromettant. Tout a disparu. Après cette affaire, Étienne Desbrécourt engage un bras de fer avec sa tante. Il l'a mise en minorité au comité de direction. À la fin, elle s'occupait plus que d'œuvres caritatives. Et le médicament? Il a été retiré de la vente 3 mois après. Alors, qu'est-ce que t'en penses? On laisse tomber. Quoi? Le type refusera de témoigner et les preuves ont été détruites. De toute façon, on fait fausse route. Je veux plus que tu t'en occupes. Et Bernard Gauthier, tu laisses tomber aussi? Il a déjà fait 3 ans de prison, il a certainement pas envie d'y retourner. Ok. Si c'est comme ça que tu t'es occupé de Mancini, je comprends mieux tes remords. Bon, alors parle-moi de ta famille d'accueil, les Duquesne. C'est une famille d'agriculteurs, c'est ça? Ils n'en valent pas la peine. J'irai les voir de toute façon. Tu t'es enfui de chez eux à 15 ans. Pourquoi? Instinct de survie. Ils m'avaient adopté simplement parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre gratuite pour leur ferme. Pas envie d'en parler. Bon, écoute, j'ai eu une soirée difficile hier. Alors sois gentil et parle-moi d'avoir répété mes questions. Je vous ai dit que j'ai pas envie d'en parler. Ce dont t'as envie, je m'en fous. Tu restes 18 ans incompressible. C'est ce que c'est, 18 ans? Quand tu sortiras tôt, il faudra plus compter sur ta belle gueule pour séduire les femmes, hein? Mais donne-moi quelque chose pour te défendre! Merde! J'ai rien, là! Rien! À part la mort de ta mère, c'est que dalle! T'as souffert? Très bien! Alors donne-moi des détails, bordel! Des détails! Des détails bien sordides, pour que je puisse émouvoir le jury. C'est ta seule chance d'en sortir. C'est des choses dont je ne veux pas me souvenir. M'en fous, force-toi. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. C'est ça que je veux. Et ça, cette émotion-là, c'est ton désespoir qui va m'aider à te sauver. Je vais vous dire, si j'avais dû tuer quelqu'un, c'est le père de Ken, mon soi-disant père adoptif. Paoud, Paoud.
C'est pourquoi ? Madame Duquesne, Maître Meyer, je voudrais vous parler. Ben, un soir, il est sorti en ville, il n'est pas rentré. On a prévenu les services de la DAS. Oh, c'était pas un méchant, le gamin, mais... Mais ? Ben, vous savez, ces enfants-là... Vous n'avez plus jamais eu de ces nouvelles ? Une fois, par les gendarmes. Il avait dû se faire de mauvaises fréquentations dans la rue. Il était comment avec vous ? Bon, on n'avait pas trop à s'en plaindre. Les travaux de la ferme, c'était pas son truc. Il aimait pas se salir. Il était feignant. Et en dehors des travaux de la ferme ? Gentil. Parlait pas beaucoup. Ce sont vos enfants, ça ? Oui. Hervé et Audrey. Vous n'avez pas de photo de lui ? Ah oui, non. Mais on en avait à l'époque. Oui. Vous pouvez me montrer où il travaillait, où il dormait. Je voudrais essayer de comprendre comment il a grandi ici. Oui, il travaille. Je suis son avocat, je veux lui éviter la prison. Vous lui devez bien ça, non ? Allô ? Allô, Virginie ? Ouais, c'est Christophe. Salut, Christophe. J'ai eu ton renseignement. Attends, super. Vas-y. Bernard Gauthier, 18 rue du Château d'Eau, dans le 95, à Méry-sur-Eure. Bon, et t'oublie pas, hein, tu m'as promis un dîner en échange. Pas de problème. Je t'embrasse. Et merci. C'est là qu'il mettait les pommes pour le cidre. Il s'occupait de la basse-cour aussi. Puis les clapiers, c'est ça son travail. Il était pas bien courageux. Il faisait des conneries. Bon, à son âge, tous les gosses en font. Ça. Il s'est parlé ? Une fois. Mais à pas recommencer. Après, il a filé droit. Bah, c'est pas du genre à laisser pousser les mauvaises graines, ou... Ah, ça, non. Bon, ben, on a fait le tour. C'est l'entrée de la cave, ça ? Ouais, mais elle sert plus, elle est trop humide. Ah. C'est drôlement cadenassé pour un endroit qui ne sert plus. C'est là que vous l'enfermiez quand il faisait ses conneries. C'est lui qui vous a dit ça ? Allez bien le punir. Oui. Ouvrez la porte où je reviens avec les gendarmes. Tu veux la voir, la cave ? Tu veux la voir ? Avance ! Avance ou je te bute ! Vous faites une énorme connerie, hein ? Ça va chercher dans les 50 prisons, ça ! Tu vas y crever ! Et puis on va te donner à bouffer au cochon. Monsieur Gauthier ?
Monsieur Gauthier ? Je sais que vous êtes là, ouvrez-moi! Non, il faut pas! Madame Duquesne, soyez raisonnable. Tout le monde sait que je suis venu ici. Si on ne voit pas revenir, on viendra me chercher. Bah, fallait pas fouiller le passé, c'est trop tard maintenant. Et puis, si vous sortez, vous allez porter plainte? Mes hommes vont aller en prison. Mais non, je porterai pas plainte. Je vous donne ma parole d'honneur. Allez, ouvrez-moi. Ouvrez-moi. J'aimais pas quand il tapait Alexandre. C'est un violent, mon mari. Et mon fils est pas mieux. J'apportais toujours à manger à Alex quand il était dans ce trou. Il fallait que je me cache. Ouvrez-moi, Madame Duquesne. Alex a besoin de moi comme il a eu besoin de vous. Il disait toujours que son père viendrait le chercher. Que c'était un grand avocat de Paris. Merci. Dites à Alex que je pense souvent à lui. Tu sais, quand j'ai vu toute la paperasse sur le bothèque et de Bricourt dans la baraque, j'ai pensé que tu verrais peut-être plus clair que moi. Mais t'as bien fait, ouais. Y a aucune trace de freinage? Non. Il s'agit d'un meurtre maquillé en suicide. Je n'ai pas remarqué les atomes suspects, mais je vais quand même vérifier. C'est urgent. Merci. Oui, bonjour, capitaine Brochard. Je voudrais parler au juge Dugour. Ne me donne surtout pas de leçons. Ma fille est dans le coma.
Tout ça serait pas arrivé si tu faisais correctement ton boulot, si tu cherchais les vrais coupables. Ah oui. C'est qui le vrai coupable pour toi? C'est Gauthier, c'est ça? C'est pendu chez lui il y a plus de 8 jours. En revanche, on a beaucoup de raisons de croire que ta fille a été renversée volontairement. Alors je vais te donner un conseil, laisse-moi faire mon boulot. C'est ta faute. C'est à cause de toi. Écoute, là, je vais l'interdire d'y aller. Lâche-moi, touche surtout pas. Je ne suis pour rien, arrête. Si elle meurt, ça sera à cause de toi. Jamais dû toucher à ma fille. Salaud! Salaud! Laissez Gérard, laissez Gérard. Quel intérêt j'aurais eu à faire ça? J'ai pas besoin. Je vous tiens déjà par les couilles, Meyer. J'y suis pour rien. Et je suis sincèrement désolé pour votre fille. Moi, qui, bordel, qui? Meyer, vous êtes un type trop intelligent pour avoir cru que l'affaire Gauthier pouvait avoir un lien direct avec ce meurtre. À défaut d'innocenter le coupable, on salit la victime. C'est bien ce que vous vouliez, non? Ouvrez les yeux. Ce salaud vous manipule comme il a manipulé ma conne de tante. Non. Personne ne me manipule. Personne. Croyez-moi, l'expérience des affaires m'a au moins appris une chose. On trouve toujours plus vicieux que soi. L'heure est passée. Ton avocat viendra pas. Je me demande ce qu'il lui fait, lui, à son avocat. Il vient le voir tous les jours. Ma parole. Les gars, tu lèves. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort, toi. T'es mort, t'as compris? Toi, t'es mort, toi. Monsieur Debricourt, capitaine Brochard. Je voulais juste savoir si vous désiriez porter plainte contre monsieur Meyer. Il a voulu m'étrangler, capitaine, devant témoin. Bien sûr. Je serai vous, je porterai plainte. Évidemment, dans ce cas, la justice risque de s'intéresser à l'affaire Bernard Gauthier. Tiens, à ce propos, j'ai trouvé un dossier chez lui, une histoire de protocole qui aurait mal tourné. Ça vous dit quelque chose? Non. Bon, écoutez, sa fille est dans le coma. Il a des circonstances atténuantes, hein? On va oublier l'incident. C'est vraiment très généreux de votre part, monsieur Debricourt. Mais je vous en prie, capitaine. Mon chat, c'est bien ça. J'oublie jamais un nom. La carte. C'est jamais la mémoire, parfois. Madame, monsieur, j'aimerais parler à votre femme.
comprends quoi? C'est personnel. Ma femme et moi, on ne se cache rien. Ah bah, il y a un début à tout. Vous pouvez l'attendre ici ou dans une cellule de garde à vue, hein, c'est à vous de voir. Par ici. Asseyez-vous. Vous saviez que j'étais mariée, pourquoi vous appelez chez moi? Vous l'avez fait exprès, mais je voulais dire quoi là maintenant? Bien, vous n'aurez qu'à lui mentir, j'ai remarqué que vous étiez assez doué pour ça. Ça veut dire quoi ça? Alexandre Landrin a passé un seul coup de téléphone depuis sa prison. À vous. Ouais, il a besoin de parler, et alors? Vous avez passé une seule nuit ensemble. Et la seule personne qui pense à l'appeler, c'est vous. Ça vous paraît pas bizarre, ça? Elle n'a pas d'amis? Bien. Très, très bien. Allez, vous faites quoi, là? J'espère que votre mari sera plus coopératif. Attendez. Attendez. Excusez pour ce que je t'ai dit à l'hôpital. C'est Landrin qui t'a mis sur une fausse piste. La fille du cercle de jeu a avoué. C'est elle qui a mis l'article sur ton paillasson. En revanche, elle est pour rien dans l'accident de Virginie. On a vérifié son alibi, elle travaillait. Tu penses que je me suis fait avoir? Je pense surtout que ce serait mieux pour lui, mais surtout pour toi, que quelqu'un d'autre assure sa défense. Je sais pas. Si, si, écoute mon conseil. Tu laisses un autre avocat faire le boulot. J'aurais jamais dû te mêler à cette affaire. Je crois que je vais laisser tomber. Tu te souviens quand je t'ai annoncé que je voulais faire du droit pénal? Tu m'as dit le pénal, on n'en sort jamais indemne. Et j'ai travaillé dur, parce que je voulais être aussi bonne avocate que toi. Que tu sois fière de moi. Mais je suis fière de toi. Même si je te l'ai pas souvent montré. Ça a été mon moteur. Et au fond, j'ai aucun mérite d'avoir réussi. Mais ton client, son moteur, ça a été quoi? Il n'a jamais eu personne à épater. Enfin, c'est quand même lui qui nous a mis sur la piste, Bernard Gauthier. Il y a peut-être de bonnes raisons de le faire. Laisse-lui au moins le bénéfice du doute. Et toi qui devrais prendre comme avocat, hein? Oui. J'espère qu'il est innocent. Un assassin dans la famille, ça ferait désordre. Ton avocat t'attend. Elle a été victime d'une tentative d'assassinat devant le domicile de Bernard Gauthier. Connais pas. Comment va votre fille? Mieux. Vous m'en voulez? J'y suis pour rien, moi. Arrête tes conneries. C'est toi qui m'as mis sur le piste Gauthier. Ta copine l'a avoué hier. Alors, tu dis plus rien, là? Mais... je pensais sincèrement que ça avait un rapport avec l'affaire. Quand Gauthier est sorti de prison, Aude, elle était en panique. Elle pensait qu'elle allait venir se venger. Puis je me suis dit que si c'était moi qui vous le disais... Je t'aurais pas cru. T'as raison.
Vous m'avez jamais fait confiance. Mais pourquoi j'aurais fait du mal à votre fille? Vous êtes le seul qui... Mais je vous jure que c'est pas moi, je... Alors qui? Hein? Qui? À qui t'as raconté cette histoire? Personne! Personne! Personne. T'es sûr? Il y a deux minutes, tu me disais que tu connaissais pas Bernard Gauthier. Je te crois plus. Vous ne pouvez pas. Ne me laissez pas. Ne m'abandonnez pas! Ne me laissez pas tomber! Alors, t'as pris ta décision? Non, pas encore. Il y a un truc qui colle pas. Quoi? S'il était si malin, pourquoi est-ce qu'il a appelé cette fille avec le téléphone de la prison? Vous pouvez vérifier ses appels à tout moment. Bah, il pensait sans doute que personne ne le ferait. Alors pourquoi s'en prendre à ma fille? Une complicité extérieure pour se disculper. Et si c'était pas un complice? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, je veux dire, si quelqu'un avait intérêt à ce qu'Alexandre touche son héritage sans que ce soit forcément un complice. Ah oui. Pour le faire hériter malgré lui. Il nous en aurait parlé. Et puis, pourquoi se faire accuser à la place de quelqu'un d'autre? Non, Antoine, ça tient pas. Sauf si quelqu'un d'autre est très proche de lui. Écoute, on a tout vérifié, hein. Son agenda, ses factures téléphoniques, à part Aude de Brécourt, il ne voyait personne. Quelqu'un de son passé, alors, de son enfance, son adolescence. Je me demande pourquoi ça te tient tant à cœur. Je suis son avocat. Non. Il y a autre chose. T'es attendu, salut Jérôme. Si t'as des éléments nouveaux, n'oublie pas de m'en faire part, hein. Sinon, j'hésiterai pas à demander ta radiation du barreau. Antoine, je le ferai. Je t'avais dit que je te crèverais, connard. Hein? Hein? Ça te fait du bien, ça? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Va bien. C'est bon, c'est bon. T'as même dit quelque chose? Ken, Antoine Meyer. Laissez-nous tranquille. Non, ne raccrochez pas. J'ai besoin des coordonnées de votre fille, c'est très important. C'est légèrement...
Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Audrey Duquesne? Oui. Je pourrais vous parler? Oui, à quel sujet? Alexandre Landry. Il y a un café à l'angle. Je vous rejoins dans 10 minutes. J'ai besoin de savoir qui est vraiment Alexandre. C'est un mec super. On s'entendait bien tous les deux. Le soir, on attendait que mes parents s'endorment. Et ils venaient me rejoindre dans ma chambre. On pouvait parler toutes les nuits. Quand il était pas enfermé dans la cave. Mon père a toujours été un sale con. On avait tous peur de lui. Il aimait pas Alex. Après sa fugue, vous avez continué à le voir? Ouais. J'allais le retrouver en douce. Je lui apportais à manger, un peu d'argent. Il vivait dans une usine désaffectée. Est-ce que ce morceau de photo, ça vous dit quelque chose? Elle a été prise dans l'usine. Ouais, je me souviens. Alex, Victor, et là, c'est moi. Victor? Il avait fugué aussi, c'est avec lui qu'il squattait l'usine. Je l'aimais pas, ce type. Pourquoi? Quand ils étaient ensemble, Alex était différent. Il se donnait un genre, vous voyez? Genre voyou, quoi. Il lui arrivait d'être violent? Alex? Non, non, pas à ce point. Et Victor? Oui. Oui, je crois même qu'il a eu des ennuis avec les flics, c'est pour ça qu'ils sont partis. Un matin, je suis passée à l'usine, il n'y avait plus personne. Et vous l'avez plus jamais revu après? Non. Jamais. Je peux pas croire qu'Alex ait tué Aude de Brécourt. Ok, il en a bavé, mais il voulait vraiment s'en sortir. Chez moi. Excusez-moi. C'est bon, ça va. T'as pas une pièce? Oui. Ouais. Excusez-moi. Allô? J'ai vu Audrey. Comment elle va? Elle est mariée? Non. Elle travaille dans une parfumerie. Elle voulait écrire. C'est la seule femme que j'ai vraiment aimée. Si je suis resté si longtemps chez eux, c'est pour elle.
Il y avait quelqu'un chez toi ce matin. Et qui sur cette photo? Je sais pas. Toi, Audrey, Victor. Pourquoi tu m'as jamais parlé de Victor? Parce qu'il a rien à voir là-dedans. T'es sûr? Ben pour Audrey, il était violent. Elle le détestait. Elle était jalouse de notre amitié. Moi, c'était la première fois que j'avais un frère. Tu le revois plus? Il est mort. Les flics l'ont tué. C'était quoi son nom? Je sais pas. Il me l'a jamais dit. On m'a dit que vous étiez là, j'ai un service à vous demander. Vous faites confiance aux flics maintenant? Il s'agit de retrouver une affaire qui concerne un certain Victor. Je connais pas son nom de famille, ça s'est passé à Cergy en 99. J'étais agressé dans l'appartement d'Alexandre. J'ai trouvé ses photos brûlées dans sa salle de bain. Les jambes, là, elles appartiennent à ce Victor, justement. Son complice. Je me suis un peu renseigné sur vous. Vous avez assisté à l'exécution de Mancini, n'est-ce pas? Oui. Vous avez ressenti quoi? De la haine, je crois. De la haine. Pour mon métier. D'après le rapport de l'époque, il l'a roué de coups et il l'a achevé en l'assommant avec le pied d'une lampe. Et tout ça pour lui voler sa voiture et sa carte bleue. La victime a écrit le prénom de son meurtrier sur le mur avant de mourir. Ouais, donc ils se connaissaient, quoi. D'après l'agenda de la victime, on suppose qu'ils s'étaient rencontrés par le biais des petites annonces. Le Victor en question lui a tendu un piège. Et on a ni nom, ni portrait robot, rien. Non. Juste ce prénom. Quelques heures après le meurtre, la voiture de la victime a été prise en chasse par une brigade. Victor était au volant. Il a tenté de leur échapper, la voiture a fini sa course au fond de la Marne. On a retrouvé le corps de ce Victor? Non, juste la voiture. Bah alors rien ne prouve vraiment qu'il soit mort? Non, mais rien ne prouve le contraire non plus. Une victime à terre rouée de coups, c'est sûrement pas une coïncidence. Peut-être pas, seulement on n'a qu'un prénom, c'est un petit peu léger pour lancer un avis de recherche, non? Oui. Mais si ce Victor est encore vivant, il a sûrement repris contact avec Alexandre. Excusez-moi. Aïm ? Aïm ? Tout de suite ? J'arrive. Excusez-moi, je dois y aller. On court après un fantôme, mais... Vous en êtes conscient ? Croyez au fantôme, vous ? Ce matin devant chez moi, j'ai cru apercevoir Victor. Je sais pas si c'est parce que vous m'en avez parlé hier, mais en tout cas, de dos, il lui ressemblait. Je l'ai appelé, mais il s'est pas retourné. Il est monté sur une moto, il est parti. Quelle marque, la moto? Je sais pas, une moto de cross, assez souvent. Si c'était lui, qu'est-ce qu'il faisait devant mon immeuble? Vous allez voir le capitaine Brochard de ma part. Faites très attention à vous. Si Victor est vivant, vous êtes la seule à pouvoir l'identifier. La seule. Avec Alexandre. Bon, maintenant on va jouer franc jeu, Alexandre. C'est la première fois que vous m'appelez par mon prénom. Je veux la vérité pour une fois. T'as revu Victor, c'est pas? La vérité, je vous l'ai dit, il est mort.
On n'a jamais retrouvé son corps. Il était disparu de l'usine le jour de l'accident. Pourquoi il serait parti seul? Sans Audrey. T'as suivi Victor. À la vie à la mort, c'est écrit sur le mur de l'usine. Si tu veux, je te dise pourquoi tu m'as mis sur la piste labothèque. Pour m'éloigner de celle de Victor. Tu sais qui tu protèges? Un tueur. La prochaine fois sera sûrement Audrey. C'est ce que tu veux? Elle l'a vu ce matin en bas de chez elle. Victor, c'est le seul à m'avoir jamais tendu une main. Pour tous les autres, j'étais transparent. Le gosse qu'on tabasse, pour les femmes, un homme objet. Même pour Aude. Elle n'en avait rien à foutre de mon histoire. Tout ce qu'elle voulait, c'était que je la baise au moment où elle en avait envie. Et surtout qu'après, je redevienne transparent. Moi, elle m'intéresse, ton histoire. D'accord. Vous voulez la vérité? Vous la voulez vraiment? Vous continuerez à me défendre après? C'est moi qui ai tué Aude. Elle me traitait comme un chien. Elle voulait me déshériter, je ne l'ai plus supporté. Je n'ai pas peur de la prison. Je n'ai plus rien dehors. Revenez avec le juge demain. J'ai des aveux à lui faire. Désolé de vous avoir entraîné là-dedans. Ce sera pas moi le plus désolé dans l'histoire. Tu penses qu'il le protège? Oui, j'en suis sûr. Quitte à être condamné à sa place? C'est absurde, non? Victor, c'est sa seule famille. Je parlerai à même qui sait où il est. Tu sais qu'il y a peut-être un moyen. Lequel? Audrey. À elle, il lui dira peut-être. Tu sais que t'es génial, toi. Je sais pas. S'il voulait pas me voir. Ça fait longtemps. Il sera très heureux, croyez-moi. Qu'est-ce que vous en savez? Je crois que je commence un peu à le connaître. J'ai l'impression de le trahir. Non, trahissez pas, vous l'aidez. Tenez. La carte professionnelle de ma fille. Attendez. Si, je suis un peu abîmée. Toi, tu es toujours aussi jolie. J'étais sûre qu'on se retrouverait. Je n'imaginais pas ça dans ces conditions. C'est pas grave. Moi, je sais que t'es innocent. Merci. Alors Victor est vivant, il l'a vu 2 jours avant le meurtre. Il a pas voulu me dire où. Il se méfiait. Là, comme ça, on sait qu'on court pas après un fantôme. Merci. Bon, mais vous aviez habité ailleurs pendant quelques jours. Thank you.
Oui. J'ai besoin de voir les photos du privé Côte de Bricou avant engagé. Pourquoi? Alexandre avait Victor 2 jours avant le meurtre. Avec un peu de chance, il a photographié sa planque. Bon, allez, viens, un dossier dans mon bureau. À propos, tu vas sans doute pouvoir m'expliquer comment ta fille a pu rendre visite à Alexandre Landrin alors qu'elle est à l'hôpital. Tu veux vraiment le savoir? Et finalement, non. Non, je suppose que c'est tout à fait illégal. Genre usurpation d'identité. Genre, oui. Oui. Voilà, un hôtel en grande banlieue, 2 jours avant le meurtre, c'est la planque idéale. Pas de réceptionniste, tout par carte bleue. Pourquoi pas, hein? Merci d'être venu. Un certain Victor Collat occupe la chambre 10 depuis 15 jours. Vous êtes la seule à pouvoir l'identifier. Venez. Allez, on y va, là! Oui, c'est lui. C'est Victor. Maintenant, on sait à quoi il ressemble. Vous m'amenez ça au labo, d'accord? On tient notre coupable. Quelle heure est-il? Ça fait longtemps que vous êtes là. Demain matin, tu vas être convoqué dans le bureau du juge. Les 15 prochaines années de ta vie dépendront de ce que tu vas lui dire. Vous l'avez arrêté? Pas encore. Enfin, on a retrouvé le haut du jogging et les tennis dans sa chambre d'hôtel. T'es pas coupable, Alexandre. Tu l'as jamais été. Vous êtes sûr? Ben, c'est payé, tu crois pas? Si tu te laisses condamner, tu donneras raison aux autres. Les autres, tu sais. Ceux qui t'ont maltraité. C'est ça que tu veux? Je veux rien. Je veux qu'on me laisse tranquille, j'ai rien demandé à personne. Alors pourquoi t'as fait appel à moi? Je voulais juste vous connaître. Victor aussi, on a bavé. On a la même histoire tous les deux. On est pareil! Non. Lui se serait jamais sacrifié pour toi. Jamais. Arrête de te mentir, Alexandre. Il a fait ça pour que tu hérites. Et pour qu'il puisse un jour venir te demander sa part. Bonne nouvelle. Malgré la lessive, le jogging a parlé. Le son est bien celui d'Aude Bricot, mais on n'a retrouvé aucune trace d'ADN d'Alexandre. Ni sur le jogging, ni sur les tennis. Ce matin-là, quand Victor est revenu à l'usine, il m'a raconté qu'il avait été pourchassé par les flics. Qu'il fallait qu'on parte. Il avait un oncle en Italie. On y a été 2 ans. Mais Audrey me manquait. Alors je suis rentré à Paris. Elle avait quitté la ferme. Je ne l'ai jamais retrouvée et puis je me suis dit que c'était mieux comme ça. Et vous avez conservé des rapports avec ce Victor? Non, on s'est perdu de vue. Alors comment vous a-t-il retrouvé? Il a vu une photo de moi dans une revue People. J'étais avec Aude. Il y a un mois, j'ai reçu un coup de fil. C'était lui. Alors je suis allé le rejoindre à l'hôtel. Qu'est-ce qu'il voulait? Monsieur Landrin? Monsieur Landrin, je vous ai posé une question. Alexandre, c'est votre passé ou votre avenir? Je voulais de l'argent. Je lui ai dit que je ne l'avais pas. Et vous lui avez parlé de l'héritage? Il s'est énervé. Il pensait que je ne voulais pas l'aider. Je lui ai simplement dit que l'appartement n'était pas à moi, que j'en hériterais un jour.
J'étais loin d'imaginer que... Enfin, vous le connaissiez, vous saviez qu'il était recherché pour meurtre. Oui, mais il m'avait dit que c'était en légitime défense. Que l'autre l'avait menacé. Sinon, jamais je ne serais parti avec lui. Non, mais c'est peut-être pas utile. Merci pour tout, capitaine. Je déteste toujours les avocats, vous savez. C'est pas grave, j'aime pas beaucoup les flics non plus. Bon, il sera libre en fin d'après-midi. Enfin, finalement, la justice, c'est pas si mal, enfin, quand elle passe. Ceci dit, je comprends toujours pas pourquoi t'as accepté d'assumer sa défense. Il y a du sang, Jérôme. Il y a du sang. Tu veux leur parler? Non. C'est votre moment de gloire. Vous l'avez bien mérité. Ça y est, tu te casses. Ta mère a reçu l'argent? Ouais. Ça va, je t'ai pas trop amoché? Juste assez pour les émouvoir. Merci pour le portable. Ça y est, ils l'ont libéré. Oui. Tu as gagné, comme toujours. J'ai pas fait ça pour gagner. Pas cette fois-ci, en tout cas. Je vais reprendre le pénal, comme avant. T'as plus peur? La seule chose qui me fasse peur, c'est de te perdre. Savoir perdre, quelquefois, Antoine. Ça va? Je suis venu fêter ta libération. Tiens, voilà. Merci. T'as des coupes? Juste là. J'ai des pansements dans la salle de bain. Voilà. J'ai vu Audrey. Comment elle va? Elle est mariée? Je travaille dans une parfumerie. Vous avez trouvé? Quoi? Le pansement. Ah. Oui. T'as pu tomber d'ailleurs? La chaîne s'est cassée ce matin, je dois aller la faire réparer. À notre rencontre.
sors demain. Oui, je sais, je viens par le médecin. Tu veux boire quelque chose? Oui. Ça va? C'est dans son armoire. Il m'a dit qu'il n'avait jamais revu Audrey. Et alors? Et alors, tous les produits de beauté ont été achetés dans la parfumerie où elle travaille. C'est Alexandre qui l'a tuée. Quoi? Attends, c'est pas parce qu'il t'a menti sur Audrey que... Tu te souviens ce que tu m'as dit? Il sait rien de lui, uniquement ce qu'il veut bien te montrer. T'avais raison, je me suis fait avoir. Et Victor? Tu oublies Victor. Victor? Personne n'a jamais revu, si ça se trouve, il est mort. Tout ce qu'on a de lui, c'est des photos matons, ça peut être n'importe qui. Et la seule à l'avoir identifié, c'est Audrey. Sa complice. Non. Je vous fais un café? Tu l'as tué. Retourne-toi. Tu me mens depuis le début. Vous l'aimez fort, votre café. Ah, pour moi. Tu l'as tué? Oui, je l'ai tué. Vous avez l'air déçu. Tout ça, c'est du théâtre. C'est le plus convaincant qui gagne. Vous vous rappelez? J'ai bien tenu mon rôle, non? Qu'est-ce que vous me reprochez? De vous avoir menti? Pourtant, je vous ai avoué le meurtre, non? Vous vous souvenez? C'est moi qui ai tué Aude. Vous n'avez pas voulu me croire. On se fait un petit poker menteur. Pas tout le temps d'y jouer en prison. Vous feriez un très mauvais joueur. Vous sous-estimez trop vos adversaires. Je ne vous présente pas Audrey. Pour votre fille, c'est elle. Elle n'hésitera pas à tirer. Vous aider? Capitaine Brochard, je peux rentrer? Non. Je savais que je serais suspecté du meurtre. Alors je me suis dit que le meilleur alibi, c'était de ne pas en avoir. Les photos dans la baignoire, la fausse agression en prison. Là, vous, je pisse la bottec pour faire passer celle de Victor. Vous savez comment aller vérifier tes appels? J'ai une technique infaillible au poker. Je perds toujours les premières parties. Comme ça, mon adversaire baisse sa garde. Et je remporte les suivantes. J'appelais Audrey, tous les jours. Mais d'un téléphone portable acheté au marché noir, dans la prison. C'est ta fille. Elle est au courant? Il répond pas. Ton père est en danger. Avec vous, il fallait jouer sur la corde sensible. La famille. Depuis ce soir, tu n'en fais plus partie.
Victor. Plutôt malin, le petit avocat. Et Alexandre, tu l'as tué aussi. Oui. La nuit où ma voiture est tombée dans le fleuve. Je suis revenu à l'usine. Il voulait que je me rende au flic. Il n'arrêtait pas de répéter « Mon père te défendra, mon père te défendra. » Et ce jour-là, t'as pris son identité. Il a supplié à genoux pour pas que je le bute. Fais pas ça, Victor. Pitié, Victor. Une balle dans la tête. Il a pas souffert. J'ai tué mon fils, espèce de taré. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas tarder à le rejoindre. Tu comptes me tuer ici? Dans ton appartement? Non, pas moi. Victor. Imaginez le tableau. Un dîner de famille. Victor arrive. Il demande sa part de l'héritage. Je refuse. Il vous tue. Et moi, il me laisse inconscient avec une balle dans l'épaule. Plutôt crédible, non? Avec un bon comédien et un bon avocat. J'ai une proposition de faire. Ou plutôt une négociation, si tu préfères. Vous vous croyez dans votre cabinet? Vous pensez que vous êtes en mesure de négocier? Oui. Chez moi, j'ai le rapport du protocole de Madame Gauthier. Le vrai. Pas celui que la bothèque a falsifié. Bien négocié, de Brécourt t'en donnera une fortune. À côté de ton héritage, c'est rien. Je l'écoute pas, il bluffe. Ma vie contre mon silence. L'écoute pas, tue-le! Tu vas aller chez lui. Voir si ce dossier existe. Bordel. Vous m'avez menti? Jamais eu de dossier. Bien sûr que non. Tu vois, il n'y a pas que toi qui s'est bluffé. T'as appelé les flics? Réponds. Réponds! Qui sous-estime trop ses adversaires? Alors la partie est finie pour toi. C'est ça que tu cherches? Mais qu'est-ce qu'il faut? Merde! S'il bouge, vous tirez. L'inconvénient des baies vitrées. Tu vas où, bordel? Je vais ouvrir. Reste là! Reste là! Ils ne laisseront pas le temps. Opération terminée. Merci, messieurs. Non, non, non.
pourquoi vous lui avez donné le chargeur, hein? Vous saviez qu'on allait descendre. Lui aussi, il le savait. C'est lui qui a choisi. La perpétuité ou la mort, c'est ça? Il a eu plus de chance que ses victimes. À la maison.